Rares, très rares même, sont dans l'histoire les guitaristes qui ont su s'échapper de l'imitation des styles des autres instruments, c'est-à-dire ceux qu'ils observaient dans leur propre entourage, dans leur environnement musical. Et encore plus rares, ceux qui ont inventé ex nihilo leurs gestes propres. Et ici, il ne faut pas confondre les gestes, les modes de jeu avec les techniques de jeu. Comme par exemple, Fiebre, ce guitariste sévillan qui, au XIXe siècle, a inventé l'attaque à gauche pour obtenir un son plus pur, plus profond, qui est très utile dans les adagios. Il s'agit ici de gestes, c'est-à-dire de modes de jeu. Nous allons voir comment ces animaux rares, ces bêtes curieuses, ces quelques guitaristes que nous appelons baroques, mais qui sont surtout, pour moi, de vrais guitaristes, ont su créer ces gestes propres à l'instrument, ces gestes baroques. Nous sommes en 1600 et quelques. Nous sortons du Moyen-Âge, de la Renaissance et des pesanteurs de sa polyphonie. Les jeunes veulent du neuf. Ils veulent abandonner ces règles sévères. Profitant de ce mouvement esthétique général, quelques Italiens et les Espagnols, qui occupent une grande partie de l'Italie, vont faire de la guitare un instrument moderne. Ils vont inventer non pas une nouvelle musique, mais une nouvelle façon de mettre les mains sur l'instrument. Ces styles techniques propres, ni luth ni clavier, juste de la guitare. Alors quels sont ces styles? Eh bien principalement, 1. Les rasgados. 2. L'usage prépondérant du pouce. 3. Les campanelles. 4. Les trilles sur deux cordes. 5. Le style brisé, aussi partagé avec le luth. 1. Exemple fameux est celui de Francesco Corbetta. Il avait initié ce mouvement en mettant en valeur ces gestes originaux de la guitare. Et en cohérence avec cette démarche, identitaire je dirais, il jurait n'avoir jamais touché un luth. « Je ne sais pas un seul accord sur cet instrument », écrivait-il. Ces styles autochtones de la guitare furent également cultivés par des contemporains de Corbetta, entre autres son ennemi juré, Giovanni Battista Granata. Leur terrain de jeu favori, si j'ose dire, celui qu'ils préfèrent avant tout pour exhiber leur talent dans ce style, sont les toccatas et les passacailles. Et je jouerai ici, à la fin de cette vidéo, une toccata de Granata pour illustrer mon propos. Et pour faire vite, tous ces styles techniques passeront ensuite à Gaspar Sanz, à Santiago de Murcia et à la guitare populaire espagnole.
c'est ce qui donnera plus tard le flamenco. Mais non, non, pas tout à fait. Bien entendu, c'est ce qu'on aimerait croire. Mais bien entendu, ce flamenco ne prendra du baroque que les modes de jeu, surtout les plus brillants, et aucunement le style musical du baroque. Terme, le guitariste flamenco joue une musique qui n'a que peu à voir avec le baroque, ou même rien, mais en même temps beaucoup à voir avec les gestes du baroque. Si l'on compare les gestes guitaristiques, ce sont les mêmes que dans le flamenco. Ces gestes qu'on ne trouve pas du tout dans les français. Alors pourquoi? Oui, pourquoi les français n'ont-ils pas suivi ce mouvement? Serait-ce pour des raisons obscurément politiques, vu la haine contre l'Espagne depuis au moins l'emprisonnement de François Ier à Madrid? Pas seulement. Un bon exemple est le meilleur d'entre eux, le Robert de Vizé, guitariste. Et ici, je pose la question. Vizé était-il vraiment guitariste? Il faut savoir que Vizé est en principe un luthiste, un pur produit de la doxa de son époque. Autrement dit, de la dictature du Pierre Boulez de Versailles, j'ai nommé l'incontournable, le marmoréen, Jean-Baptiste Lully. L'ambition de Vizé n'est pas de s'intéresser au langage propre de la guitare. Il s'en fiche. Son but est de faire sa cour, premièrement, et donc de suivre l'Italien francisé, auteur des ballets favoris du roi, et le suivre de bien loin, précise Vizé modestement. Mais Robert de Vizé a un problème. Son patron. Louis XIV est un mordu de guitare. Certes, le roi apprécie aussi toute la musique de chambre, de Lully à Couperin, sûrement, du luth au clavecin, certainement, mais l'instrument de son enfance et de son adolescence, proche de son cœur, est la guitare espagnole, déjà appréciée par son père Louis XIII. Donc il n'y a pas pour viser d'alternative. On ne discute pas avec Louis XIV. Il lui faut jouer et écrire pour la guitare. Vous avez dit écrire? Aïe.
Vizet n'a jamais eu la fibre guitaristique. Mais Vizet est un petit malin. Il va se tirer de ce mauvais pas en se bornant à adapter, à transcrire ses propres œuvres, déjà écrites pour luth ou théorbe, et les mettre en tablature de guitare. En faisant cela, il transforme la guitare en un substitut du luth, en réalité un petit luth. Souvent, même, il lui faut rentrer cette musique à coups de marteau dans le manche d'un instrument qui s'y refuse, car il n'a pas été créé pour ça. Ça se perçoit tout de suite. On sent que le modèle n'est pas à la guitare. Le modèle vient d'un autre univers musical. Il vient d'une écriture issue non pas des gestes que la guitare pourrait fournir, qu'elle pourrait exécuter naturellement, non. Il vient d'un horizon tout autre. Le discours impérieux de la basse chiffrée. Le discours linéaire de la mélodie accompagnée. En tout cas, Vizet se refuse à adopter les styles hispano-italiens. Style technique hispano-italien. Dans sa guitare, pas de traits rapides en campanelle, pas de style brisé. Il veut un jeu linéaire qui imite le luth et en tout cas pas tarabiscoté comme les Italiens l'aiment, pour ne pas tomber dans un jeu brouillé dont même plusieurs maîtres de guitare ne peuvent se corriger. Et ici, je cite ce que nous dit Rémi Bédard en 1676. Mais ici, Vizet a un caillou dans sa chaussure. Les batteries. Les batteries, ou rasgueado, sont un mode de jeu obligé. Premièrement, c'est le style favori de Louis XIV. Et de toute façon, les batteries sont inévitables, car la guitare a cinq cœurs, la guitare baroque, a été créée pour ça, les batteries. Ces batteries qui la définissent, la font sonner et lui ont assuré un immense succès depuis 1600. Vizet, en bon joueur de luth professionnel, joue la guitare baroque sans angle. Mais il est bien obligé, quand il exécute ses rasgueados sur la guitare, de frotter, de racler les cordes avec le dessus des ongles, même si ses ongles sont taillés courts. Ce son vulgaire répugne à tel point à deviser que la seule indication de jeu qu'il nous transmet, et très longuement dans son livre, consiste à estomper ce son, presque à l'effacer. Finir les batteries par la pulpe du pouce, en adoucissant, dit-il, et il se justifie pour rendre la batterie plus délicate. Pour Vizet, la guitare espagnole est un instrument étranger, trop espagnol justement, et supposé d'origine populaire, en tout cas indigne d'un musicien raffiné comme lui. En effet, quand on joue ce répertoire en suivant vraiment les gestes spécifiques de la guitare hispano-italienne, il faut bien l'avouer, le résultat sonore semble trop barbare à nos oreilles habituées à une certaine bienséance. Trop de rasgado, trop de campanelles, trop de pouces, trop d'ongles. Et justement, je constate que certains interprètes actuels jouent la guitare baroque sans ongles, croyant certainement faire acte d'authenticité historique. Mais non, non. La guitare ancienne se distinguait justement par un jeu avec ongle. Et n'oublions pas que Corbetta dut annuler un concert parce qu'il s'était cassé un ongle.
Les angles sur la guitare la rapprochent encore plus en timbre, en caractère et en gestuelle. De la main droite, évidemment, la gestuelle de la main droite. Avec sa descendance flamenca à venir. Actuellement, la guitare baroque, ainsi jouée à l'espagnol, est considérée généralement comme peu baroque. Ça ne ressemble pas au style bien connu du baroque dans les autres instruments, si polissé et aristocratique. Nous en avons une idée très précise de Frescobaldi au clavier, à Silvius Leopold Weiss aux luth, etc. En résumé, la guitare de Robert de Vizet a pour descendance la guitare romantique, puis la guitare de concert actuelle. La guitare jouée par les hispano-italiens à cette époque a pour descendance, elle, la guitare flamenca. Une tablature n'est pas une partition. Elle n'est que la sténographie, l'aide-mémoire, je dirais, d'un discours beaucoup plus riche. J'ai tenté de résoudre ce problème en déchiffrant toutes les tablatures italiennes et espagnoles qui me sont parvenues pour essayer de comprendre comment fonctionnaient ces guitaristes, leur manière, leur manie, leur tic, et en apprenant par cœur cette calligraphie faite de gestes. Il faut donc puiser dans l'immense réservoir des autres tablatures, soit du même auteur, soit de ses contemporains et compatriotes, pour voir quelle était la variante possible à telle gamme, telle cadence, telle fioriture, tel ornement. Muni de cette réponse possible, et même probable, je dois choisir la plus propice pour le passage auquel on doit rendre le maximum d'effet. Car c'est toujours l'effet qui est recherché à cette époque, que ce soit en musique, en danse, en peinture ou en architecture. C'est ainsi qu'on peut passer des gestes de Corbetta à Granata, ou de ceux de Santiago de Murcia à Guerau ou à Sanz, et de ces gestes baroques, bientôt, à ceux de la guitare flamenca. Voilà, je voudrais terminer par un clin d'œil avec une photographie de la danseuse baroque Christine Bale, directrice de la compagnie L'Éclat des Muses, mise en regard, en comparaison avec la légendaire Carmen Amaya. Comme quoi, barocco flamenco, ce n'est pas que dans la guitare. Thank you.